Bon, c'est encore pas trop si ça marche. Fait chier d'avoir toujours du matos de merde. Bon, il y a plein de courriers aujourd'hui. Bon, nous sommes donc. C'est vendredi. Le vendredi, c'est en mi. Je reçois jamais rien. Puis là, j'ai 4 lettres. Qu'est-ce que c'est? Allons voir. Il y avait un super truc, c'était. Ça filme là? Il y a le voyant rouge, non, c'est bon. Donc c'était sur Dutron. Eh Jacques, c'est Dutron x12. Hein. Là tu dis, c'est quoi? C'est le plus grand des voleurs. Bon Jacques, c'est le braqueur. T'sais. Et quand leur chien aboie sans cesse, il met un shoot à leur caniche. Ton, 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 ouais, c'est un braqueur. Bon, c'est pas grave. Mon seul billet de 10 balles que j'avais, je l'ai perdu. Putain, c'est grave. Mais avec le foutoir que j'ai mis hier, c'est tout éclaté, c'est tout défoncé. Putain, ça y est, elle est déjà perdue. Ça m'avait permis de retrouver une belle boulette. Vous voyez, c'est déjà tombé. Je sais pas. Merde. Oh, j'aurais dû le faire avant de filmer. Bon, c'est pas grave, je vais la retrouver. Alors, qu'est-ce qui me boule, boule ? Voyons voir. Je vais mettre ça sur le pan du sandwich. Non, ça va pas. Comme ça, peut-être c'est mieux. C'est pas sûr. Bon, ça va pas me faire chier. Je vais me prendre la tête là. Je vais savoir qu'est-ce qu'ils disent. DGA. DSH DASAT Conseil Général. Qu'est-ce qu'il me boule boule? Internet ça marche plus, ça fait depuis 2-3 jours. C'est la CIA, c'est les machins. L'intelligence artificielle, enfin il bloque. T'emmerdes. Monsieur, après examen de votre demande de renouvellement de mesures d'accompagnement social personnalisé avec gestion de vos prestations sociales en date du 11 décembre 2017, ouais, j'ai l'honneur de vous informer que l'association UDAF 06, service MASP, moi je suis en mode MASP 2, il y a MASP 1, continuera de vous accompagner dans la gestion de votre budget pour une durée de 6 mois à compter du 21 décembre 2017. Bon, d'accord. On est encore avec vous. Les nouveaux objectifs de cet accompagnement seront de poursuivre l'aide à la gestion du budget. Tu pars assez vite fait. Hein. Le budget, il y a 800 euros qui rentrent. Moi, je donnais 300 à l'épicerie, 440 au loyer. Et puis après, j'achetais un ou deux paquets de tabac à un bout de shit. Et puis après, j'attendais 30 jours hein, à la Coluche. Plus dur, c'était la fin du mois, surtout les 30 derniers jours. Bon. Poursuivre l'aide à apurement des dettes. Ben, à part chez Mouloud, j'ai pas de dette. Tu crois que je vais payer le fion de garantie? On va clavé 76 000 euros. Non, mais qu'est-ce que c'est, putain? Des protocoles. Oh, c'est de la merde. Bon. Enfin, comme ça me tranquillise, tu sais. Ça, j'ai le temps de m'occuper de mon esprit. Poursuivre l'aide aux démarches administratives. Poursuivre l'accompagnement dans les démarches de soins. Le référent en charge, elle est bonne. Hein. Putain, elle met des collants et tout. Oh là là, elle est bonne. Elle est bon. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes couilles. Ok. Super. C'est pas la DGAC, là. Si, je pense. Bon. Bon, le deuxième c'est le DF. Bon, on s'en branle. Le troisième, on sait pas. Et l'autre aussi c'est le DF. Bon. Ça c'est peut-être un relevé ou quoi de compte. Bon, dans l'histoire, je m'en foutais. Je sais pas, il y avait un truc super. Enfin, super. Bon, j'ai un piège à la fille. Oh, oh.
Ouais, c'est un relevé de compte. Daté du 11 décembre, j'étais à moins 69,94 €. Et sur le livret A, j'ai 19,49 €. Putain, qu'est-ce que je suis riche, bordel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis riche de bonnes intentions, c'est tout. Ça y est, c'est fini. Ah non, ça tourne. Je dis pas de conneries. Hein. Sans conneries, bonne réponse. Pas si on y voit bien. Grande est ma richesse. Mais le problème, c'est que moi, je suis milliardaire de l'esprit. Je fais crise de Nice, c'est balèze. Votre pognon de merde, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pour l'esprit, je suis pas pour la matière. Anticapitaliste, anti-sioniste, anti tout ce que tu veux, c'est de la merde. Ils sont servis, ils se servent. C'est comme un... Par exemple, moi je fais en même temps Astérix et Gobélix. Ils se servent des superstitions, des croyances, pour faire du pognon sur le cul du bon Dieu. Mais ils n'ont rien compris. Alors déjà, les trois monothéistes, je vais les mettre d'équerre. Quand même, pour parler de quelque chose. Il faut le savoir, parce qu'ils parlent tous pour dire de la merde à la télé. J'ai lu la Bible, le Coran, les Brahmanes, les Tibétains, les machins, les ce que tu veux. Comme ça, là. Là, tu comprends ta position dans l'espace-temps. La plupart de vous tous, vous n'avez jamais bougé. Comme ça. T'as pas vu Madagascar, t'as pas vu le Maroc, t'as pas vu le machin, t'as pas vu le truc. Si t'as vu la Corse, c'est beau. Comment vous pouvez juger des trucs que vous comprenez un beignet? La télé, c'est de la merde. C'est pas compliqué. Comme ça. Bon, Internet, ça marche plus. Eh ben, tant pis. Mais le film, il sera là. Et quand ça marchera, eh ben, il partira. Moi, j'ai pas de matos, j'ai pas une thune, j'ai rien. J'ai même plus de mégots. Et je vais retrouver une boulette du massacre. Parce que hier, j'étais complètement déglingué. Comme ça. C'est normal, j'ai eu mes copains d'école de la 6e. Oh. En plus, je t'emmerde. Bon, faut pas dire comme ça, c'est pas gentil. Enfin, les gens du pouvoir, c'est ça. Hein. Le Macron en boîte, ce sera de chill, là. Boîte à Pandore. Ok. C'est que de la merde. Des vendus au pognon. Non, on va tourner en 2018, là. Non, non, c'est pas possible. Je veux pas que ce soit lent, pire. À la limite, je préfère l'emprise que genre Drucker à la 2, l'empire. Non, l'emprise alors dans ce cas-là. Parce que j'étais jugé deux fois. Une fois sous l'Empire et une fois sous l'Emprise. Enfin, j'ai été jugé plein de fois, mais. Il n'y a personne qui sait m'expliquer c'est quoi la différence sous l'Emprise ou sous l'Empire de l'alcool. Moi, je suis alcoologue. Chacun son métier. Hein. J'ai dit au psychiatre, au psychologue, hein. J'ai dit pour être psychologue, il faut bien être psychopathe. Hein. Et ben, et pour être alcoologue, et ben... Faut bien être alcoolique, hein, et puis c'est tout. Voilà, hein, dans l'espace-temps, mais voilà, c'est la dimension que personne n'y capte, parce que vous voulez tous voir les yeux et le pognon. Voilà. Mais si tu sentais les forces qui circulent, voilà, mais justement, que la force, c'est avec toi, Obi-Wan. Ou bien le cannabis, eh ben, j'ai perdu la boulette, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Il doit pas être bien long. Voilà, enfin, cette fin du 15-12, tous les films sont pas passés, là, il m'en manque plein. Ça connecte plus, tu sais, c'est CIA ou quoi, FBI, KGB, ils sont tous là, il n'en manque pas un. Bon, en fait, ils m'ont bloqué, mais eux, ils sont déjà méta-bloqués. Tous les gens du pouvoir, ils se défoncent, faut pas croire. Ils sont tous coupables de crimes contre l'humanité, ils ont tous vendu leur âme. Si tu veux, c'est des jouets à pognon, c'est des marionnettes à pognon, comme ça. Tout pour nous, rien pour vous. C'est des ordures. En fait, c'est des ordures. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Tous. Il faut les mettre au goulag, là, dans la bande à Gaza, au RSA. Et qu'ils se bouffent entre eux, tu sais. Qu'ils se démerdent. Mais foutez-nous la paix, putain. Oh, je suis humain, terrien. Terrien, d'accord. Mettez-la, voilà.
un esprit dans le bocal quand même. Okay. Oh. C'est pas à la télé, hein, l'esprit. Hein. C'est pas à la télé. Hein. Il n'y a que de la merde à la télé. Ils vendent tous leur âme pour du pognon et ils font vraiment de la merde. Quand je vois que Eric il a bloqué sur Koh-Lanta, oh là là. Quel déshonneur pour le bon Dieu. Regardez cette merde. Bon, enfin bref, allez, on va appuyer, je sais pas où. Envoyé spatial pour T'Eternel. Patch salut, Inch'Allah Manirime. Et il faut trouver où c'est qu'on appuie. Parce que forcément, ça merde complètement. Je sais pas, faut trouver qu'on appuie, c'est là. Ça merde complètement parce que tout est... Pollution électromagnétique, ça mange l'esprit. La télé, ça mange le cerveau. C'est un électro-aimant qui t'aspire l'âme.